du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Partez et dites au peuple toutes les paroles de vie. » Actes des Apôtres, chapitre 5. Les apôtres rencontrent obstacles, oppositions, persécutions lorsqu'ils annoncent la victoire du ressuscité. Il faudra l'intervention de l'ange du Seigneur pour les faire sortir de la prison et la force de l'Esprit pour leur donner le courage d'annoncer sans crainte les paroles de vie. Que l'Esprit du ressuscité ouvre les portes de nos prisons, celles de nos peurs, de nos habitudes, de nos jugements hâtifs, pour aller à la rencontre de tous ceux qui attendent une parole d'espérance, une parole qui ouvre un chemin de vie après la longue épreuve qui a bouleversé nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.